Bonjour sur Urbamo. Nous allons parler du dossier numéro 5 qui concerne l'étude de requalification des zones du nord de Schiltigheim, donc le sud de Bischheim, et notamment l'insertion du tram dans le quartier des Écrivains. Commençons par un certain nombre de plans généraux de l'aménagement des Écrivains, tels que celui-ci, qui présente le quartier principal dans sa globalité, avec la nouveauté qui concerne cet axe est-ouest qui irait donc de la route du Général de Gaulle vers la gare et qui permettrait d'accroître la mobilité à l'intérieur de cet espace des Écrivains. Voici un autre plan qui présente cet axe de façon un peu plus détaillée, avec effectivement à l'ouest les deux quartiers qui sont associés au quartier des Écrivains, c'est premièrement Istra et deuxièmement Degen Vehr, qui se trouve donc de l'autre côté de la route du Général de Gaulle et qui serait connecté aux Écrivains par l'intermédiaire de cet axe vert qui va d'est en ouest. De l'autre côté, nous avons l'embranchement vers la gare de Bischheim, Schiltigheim. Voici un plan plus détaillé qui représente la limite théorique du quartier des Écrivains, notamment ici sur la route d'Erstein, pour remonter vers l'avenue Périgueux, passer vers Bischheim. C'est un paquet relativement important. Revenir ici pour prendre la route du Général de Gaulle et englober une partie des quartiers Leclerc par la route ici, la division Leclerc, pour revenir au supermarché Leclerc. Donc c'est une zone relativement étendue avec des appendices à l'ouest et au nord. Voilà, donc nous allons regarder l'insertion les possibilités de l'insertion d'un tram suivant les variantes V1 et V2 dans cet environnement. Cet environnement qui est composé aujourd'hui de la ligne bus numéro 70 qui arrive par l'avenue Périgueux, les lignes bus 50 et 60 qui arrivent depuis la rue de Lauterbourg par le pont et qui vont rue d'Erstein, la ligne 50 allant vers l'ouest de Schiltigheim et la ligne 60 passant plutôt vers l'espace européen d'entreprise jusqu'à la gare de Vendenheim. Avec une petite suggestion, c'est de dévier la ligne 60 de son itinéraire actuel qui est un peu en doublon de celui de la ligne 50 sur une grosse partie du trajet, donc de le dévier pour qu'elle passe devant la gare. La déviation pourra se faire du côté de l'âtre de Tassigny ou du côté du quartier de la gare pour passer devant la gare de Schiltigheim-Bischheim et de rejoindre le centre technique de la SNCF à Bischheim afin de reprendre le circuit parallèle à l'itinéraire 70 pour aller toujours à l'espace européen d'entreprise. Autre suggestion qui a été faite dans un dossier précédent, c'est la mise en place d'une navette ouest, dont le but principal est de relier l'extrême ouest, donc le phare ouest de Schiltigheim qui se trouve après le pont SNCF, au centre de Schiltigheim. Et cette navette arriverait donc ici jusqu'au quartier de la gare de façon à pouvoir faire la liaison avec la gare et de façon à décentraliser le quartier ouest de Schiltigheim et de désenclaver ce quartier-là. Donc dans cet environnement, voyons la solution V1 qui commence par un arrêt au niveau de Marx-Seguin et une portion en voie unique depuis cet arrêt jusqu'au démarrage du projet Écrivain.
pour survoler, compte tenu de la faible largeur dont nous disposons à ce niveau-là, au niveau de la route du Général de Gaulle, et pour éviter vraiment de désengorger le quartier et le croisement ici, Georges Burger, qui est un croisement important d'une part pour les personnes venant en voiture et voulant prendre l'autoroute, et deuxièmement, les personnes venant de la deuxième couronne qui veulent se diriger vers Schiltigheim par le biais de la route du Général de Gaulle. C'est un des carrefours les plus encombrés, les plus contraints de l'Eurométropole du Nord. Donc, le but, c'est de ne pas surcharger cette partie de la route du Général de Gaulle et de toujours permettre un double flux de circulation à ce niveau-là. Arrivé au quartier des Écrivains, ce secteur tram peut être en voie double. Est-ce que nous avons plus de place? Théoriquement, puisque les implantations ici, quartier des Écrivains, sont prévues normalement pour un TCSP, un transport en commun à site propre, donc ça ne devrait pas poser de problème. Avec un arrêt des Écrivains ici, central par rapport au quartier des Écrivains de Istra et de Degenwehr. Et ensuite, le trajet va vers le sud de Schiltigheim. À partir de cette implantation des arrêts, nous pouvons définir une desserte qui est organisée à partir de ces arrêts. Donc, toujours suivant la définition de l'Eurométropole, 5 minutes à pied, environ 400 mètres à partir de l'arrêt. Bon, ça c'est la théorie, évidemment, 5 minutes à pied, compte tenu des coins et des recoins qu'il faut négocier, c'est peut-être 400 mètres, mais 400 mètres n'iront pas jusque-là. Ça, c'est la limite théorique maximale. Alors, on remarque qu'il y a ici un manque de couverture de la solution V1 du quartier des Écrivains, puisque toute cette partie-là n'est pas couverte. C'est vrai que cet ensemble d'immeubles ne fait pas partie du quartier des Écrivains. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas fortement densifié. Et donc ces personnes-là peuvent être comptées aussi parmi les personnes qui sont intéressées par tout cet aménagement-là. À partir de là, nous pouvons définir les pôles d'échange, notamment un pôle très important qui se trouve là-haut, qui concerne les bus, le tram, les voitures, avec éventuellement un parc relais situé à cet endroit-là. Un autre pôle d'échange qui se trouve au droit du supermarché Leclerc, également avec tram et bus et navettes, qui sont donc vraiment importants pour les échanges entre les différents modes de déplacement. Un point particulier concerne les déplacements des piétons. Et cet axe est-ouest a été pressenti pour justement faciliter ce déplacement des piétons et notamment faciliter l'accès à la gare par l'intermédiaire d'une passerelle se situant ici. Donc voilà l'idée d'origine pour ces déplacements piétons au niveau des Écrivains. En solution B, nous avons une configuration tram équivalente à la solution A, avec donc les couvertures équivalentes. Nous avons simplement modifié, le but c'est de modifier ici la zone de la gare de façon à créer un troisième pôle d'échange intéressant entre les arrêts bus qui se trouvent à ce niveau-là. La navette ouest qui aurait également un arrêt ici et la gare qui se trouve ici. Donc, recréer ici un pôle d'échange relativement important entre les mobilités transports en commun et les transports individuels et les mobilités douces, notamment en modifiant un petit peu le trajet des piétons. Qui accéderait à la gare, des piétons, donc écrivains, qui accéderaient à la gare, non plus tout droit à travers les bâtiments V, par l'intermédiaire de la rue de la Martine et en prolongation de la route
d'Erstein, avec une passerelle donc à ce niveau-là pour accéder au quai, de façon à simplifier aussi l'accès à la gare de ces gens qui potentiellement viennent en bus. Voilà, regardons maintenant la solution V2 avec la variante A au départ. Donc la solution V2 part effectivement de la même configuration de base, avec le démarrage identique à celui de V1. Ensuite, après donc l'arrêt écrivain des gènes identique à celui de V1, une bifurcation vers la route d'Erstein pour monter sur le pont de la route de Lauterbourg et de continuer en voie unique. Donc voilà l'itinéraire du tram à cet endroit-là. Regardons les mêmes sujets qu'auparavant avec les dessertes qui sont offertes dans ce cas-là, avec les deux cercles dont nous avions déjà discuté auparavant, mais on va apparaître un troisième cercle ici qui intéresse donc ce coup-ci une bonne partie de la zone qui avait été oubliée auparavant par la solution V1 et qui peut intéresser du coup toutes ces personnes qui habitent dans ces zones-là pour prendre le train et prendre le tram. On retrouve donc nos deux pôles d'échange dont nous avons déjà parlé avant, mais un troisième pôle apparaît, c'est celui du tram ici à la gare, plus la gare et tous les équipements de mobilité qui sont en action au niveau du pont ou au niveau du sol près de la gare. Voici la solution A, donc avec là aussi une réflexion concernant l'arrivée des piétons, avec la solution d'origine, avec une passerelle produite par cette travée, par ce môle est-ouest, et une passerelle en bout de ce môle, une solution B, qui au niveau du tram est un peu différente dans la mesure où il n'y a plus d'arrêt au niveau du pont Lauterbourg, mais que cet arrêt se situe au bout du parking Leclerc, donc avant la montée, de façon à recréer ici tout un pôle intéressant entre tram, bus et navette, pôle intéressant à proximité effectivement aussi de la gare de Schiltigheim et de Bischheim. Nous retrouvons nos dessertes avec les cercles, donc les deux cercles que nous connaissons déjà bien maintenant, plus le nouveau cercle de la gare qui s'est déplacé un petit peu en montant et qui couvre un peu plus le quartier des Écrivains, nous pouvons dire là presque en totalité de la limite jaune dont nous avions parlé tout à fait au début de l'exposé. Avec là toujours nos trois pôles d'échange, le pôle d'échange Marx-Seguin, le pôle d'échange des Écrivains. Nous avons déplacé légèrement l'arrêt Écrivain, nous avons rapproché l'arrêt Poincaré pour équilibrer les distances entre ces différents arrêts et pour les justifier leur existence. Et nous avons ici un pôle d'échange gare qui est bien constitué et qui peut être renforcé par une arrivée piétonne sur la route d'Erstein et par la rue Lamartine et en prolongation de la rue d'Erstein. Enfin, une dernière évocation, un dernier sujet que l'on peut aborder, c'est l'aspect financier. En modifiant, donc en réduisant l'itinéraire tram dans la version V2 au niveau du quartier des Écrivains, c'est-à-dire en faisant l'arrêt définitif ou final au niveau justement des Écrivains Poincaré, Istradegen, cet arrêt servant pour l'ensemble des quartiers des Écrivains et pour l'ensemble des quartiers à gauche des Écrivains. Et avec l'arrêt ici
situé au bout du parking du supermarché Leclerc ou éventuellement sur le pont de la route de Lauterbourg. Donc nous avons ici la couverture qui est intéressante malgré tout, mais où malheureusement, évidemment, il manque toute une partie là-haut du côté de Bischheim, puisque le tram ne va plus jusqu'à Marxka. Donc, du coup, on perd un pôle d'échange important qu'on avait avant. Il est toujours existant, mais je dirais il est moins intéressant. Même au niveau de ce parking relais, c'est moins intéressant parce qu'on est loin de l'arrêt tram. On a toujours l'arrêt Écrivain qui est un pôle d'échange intéressant et la partie gare qui est évidemment aussi un arrêt très intéressant au niveau pôle d'échange et qui pourrait être soutenu par une arrivée piétonne par la rue Lamartine et une prolongation de la rue d'Erstein. Voilà, donc là nous passons sur un plan un peu plus ludique qui permet peut-être de comprendre mieux l'arrêt Écrivain et puis le parking relais, avec ici le fameux croisement Georges Burger et l'avenue du Général de Gaulle et l'arrivée du tram depuis le sud de Schiltigheim. L'idée, c'est de laisser ce croisement le plus libre possible afin de ne pas prévoir un goulot d'étranglement et puis plus de contraintes que nous en avons déjà actuellement. Donc, l'idée, c'est de faire, entre guillemets, disparaître ce tram le plus rapidement possible vers son arrêt et de façon à ce qu'il impacte le moins possible la circulation. Nous aurions donc l'arrêt tram qui se situe à ce niveau-là. Actuellement, il y a une belle rangée d'arbres, évidemment, qui seraient impactés. Ben, ça, c'est un autre sujet qui est globalement à voir sur l'ensemble des tracés et qui est absolument nécessaire de traiter. En l'occurrence, nous partons du principe que c'est possible et que l'arrêt tram peut se faire ici. Nous aurions donc toujours un double sens de circulation sur la route du Général de Gaulle et un sens unique ici dans cette voie-là, depuis le parking relais vers la route du Général de Gaulle, sachant que l'autre sens peut être utilisé, enfin peut être créé par la rue qui se trouve en face de l'avenue Périgueux. Donc on aurait ici un immense rond-point avec un sens unique de ce côté-là et un sens unique de l'autre côté. Parlons un peu de ce parc relais qui pourrait prendre place sur le parking actuel des écoles des Prunelliers avec une extension à limite à définir en fonction des possibilités du terrain. Fonction des étages, 3 étages ou 4 étages, on arriverait à 170, peut-être à 200 véhicules. L'avantage évident est évident sur le croquis, c'est qu'il serait en communication vraiment directe de l'arrêt tram. Donc les personnes venant de l'autoroute, donc pas de ce côté-là, mais de ce côté-là, iraient garer leur voiture dans le parking et ressortent pour prendre le tram. Et vice-versa, arriver du tram, prendre la voiture pour repartir sur l'autoroute. Voilà donc cet arrêt marque ce gain de façon un peu plus ludique. Même préoccupation pour l'arrêt tram au niveau du pont de la rue Lauterbourg. Avec le pont existant qui se trouve ici, qui a ces deux circuits piétons à gauche et à droite, voilà, et là, donc qui est actuellement à 2 sens de circulation avec ces 2 voies. Dans le projet, nous n'en utilisons qu'un seul, c'est celui-ci, par exemple, et le second étant réservé à ce moment-là pour les vélos. Donc il y a vraiment une belle piste
vélos sur ce pont. Le projet prévoit dans ce cas-là construction à côté d'un pont réservé exclusivement pour le tram. En l'occurrence, là, on aurait donc en plus l'arrêt tram situé sur le pont, ce qui est la version de base, la solution V2, avec du coup une distance aux alentours de 13 mètres au niveau de ce pont. Ces trams venant par voie unique depuis la médiathèque, se mettant ici en double voie et restant en double voie pour descendre vers le parking Leclerc à côté de la voie existante. Donc nous aurions là-haut voitures, camions, bus, etc. Et piétons, évidemment, et mobilité douce, avec un accès depuis là-haut vers les quais de la gare par l'intermédiaire d'escaliers ou d'escaladors ou d'ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite ou les poussettes, etc. En bas de la gare, donc en face du bâtiment existant, à réfléchir l'aspect parking voiture, la circulation de bus, la fameuse ligne 60 qui serait déviée et tous les aménagements nécessaires pour former ici un pôle d'échange multimodal vraiment efficace. Nous avons ensuite quelques vues 3D du sujet accès à la gare dans les différentes configurations, donc notamment ici déjà l'accès à la gare par l'intermédiaire de l'arrêt qui se trouverait sur le pont, le sujet dont on vient d'évoquer juste sur la présentation précédente, avec donc les fameux accès sur les quais, avec ascenseur ou escalier, avec les différents moyens de communication, de mobilité qui existent, tram, bus, vélo, piéton, etc., avec une idée de création d'un circuit vélo sur les terrains de la SNCF, circuit de vélo qui serait vraiment superbe, dans la mesure où il serait sécurisé, il serait non encombré, et on pourra accéder rapidement est en ouest, voire allant un peu vers le sud, le temps qu'on peut longer la voie SNCF. Autre petite variante apparaissant ici, c'est éventuellement la possibilité de créer ici un parc plus parc relais. Si le fameux parc relais dont on a parlé précédemment au niveau des écoles des Prunelliers n'est pas réalisable pour différentes raisons, on pourrait imaginer un parc relais à cet endroit-là. Donc, idem avec la proximité tram assez évidente, puisque juste à côté de l'arrêt tram, et en plus une accessibilité train aussi qui est très facilitée. Donc, cet arrêt aurait un petit avantage concernant les accessibilités, sauf pour les voitures, puisque le trajet serait un tout petit peu plus long venant de l'autoroute pour accéder à ce niveau-là, plutôt que d'accéder à un P+R qui se trouve au niveau de l'école des Prunelliers. Donc, deuxième possibilité que nous avons évoquée pour accéder à cette gare, c'est plutôt dans la configuration où l'arrêt tram se trouverait donc au bout du parking Leclerc, avec l'ensemble d'un certain nombre d'arrêts bus et d'arrêts navettes, notre arrêt navette arrivant d'ici et circulant par là jusque à cet arrêt tram. Donc il semblerait plus judicieux au niveau des piétons d'utiliser la rue Lamartine et l'extension rue d'Erstein pour accéder à une passerelle qui se trouve là. Donc on aurait effectivement tout rassemblé à ce niveau-là et un chemin relativement optimalisé, réalisé par les piétons, rue des Écrivains. Le troisième projet pour accéder à cette gare, c'est le projet initial
par l'intermédiaire de cet axe vert, est-ouest, qui est prévu au niveau des écrivains, et qui produirait donc une passerelle au bout pour accéder au quai. Bon, ce projet est, si on peut dire, compatible avec un arrêt tram là-haut. Le petit souci, c'est qu'on aurait un accès depuis le pont. On aurait un accès piéton très spécialisé ici. Donc voilà, ça fait un peu double emploi éventuellement. Et bon, ça fait une solution peut-être un peu riche. Nous avons également vu un certain nombre de possibilités avec un arrêt tram situé sur le parking Leclerc, où on accéderait plutôt à la gare par le biais de la rue d'Erstein et la rue de Lamartine, donc ici. Donc dans ce cas-là, difficile d'imaginer une passerelle ici, plus une autre passerelle là. Donc ces passerelles, je dirais, sont fortement liées à l'implantation du tram ou pas tram et à l'implantation des bus dans le secteur des écrivains. Donc voilà un petit peu les différents sujets qu'on pouvait évoquer pour l'insertion du tram dans le quartier des écrivains. Premièrement, l'insertion des arrêts du tram, les conséquences de ces arrêts et ensuite effectivement l'accès à la gare qui est un autre sujet qui lui aussi est liées aux implantations des arrêts. Donc voilà, on entend parler de déambulation d'un tram, du tram à Schiltigheim. Effectivement, tout ce qu'on a vu pour l'instant, c'était des trajets pensés et réfléchis. Ce n'est pas du tout à faire avancer le tram sans but précis, qui est probablement de mépriser plus de la moitié des Chiliquois et de penser qu'à une partie des Chiliquois. Mais je pense que le but, c'est de faire un tram qui puisse être utile à l'ensemble des Chiliquois. Voilà, donc vidéo proposée par Urbamo. Au plaisir de vous revoir sur d'autres vidéos.